Attention, fiston. Le voilà. Bonjour, Marshall Higgins. Comment ça va, gamin? Et comment va mon vieux copain Tintin, hein? Dis donc, t'as grandi, gamin. Ou encore tu manges de la soupe. Il a fallu qu'il vous traîne jusqu'ici, lieutenant. C'est toujours un plaisir. Mais dites donc, vous avez rajeuni. Ah, les gens du coin disent que je ne fais pas mes 70 ans. Une vie saine, voilà le secret. Et qu'est-ce que vous dites de notre vieille ville fantôme? Elle a prospéré. C'est depuis que vous avez fait passer le coin. Oh, c'est pour ça qu'on est là, Marshall. Maintenant que le train s'arrête ici, l'armée voudrait y bâtir son nouveau dépôt d'armes. Bien, dites-moi, les travaux commencent quand? Dans quelques temps, je suis juste venu contacter banquiers et diverses entreprises et trouver où loger une escouade. Ce sont eux qui feront les travaux. Je vais vous présenter les gens du coin. Merci, Marshall. On va avoir des problèmes. Tu parles d'un patelin, Stubb. On en fera peut-être une capitale. Waouh, vous savez qui c'est? Ils s'appellent Stubb Cull et Jimmy Kling. L'autre jour, j'ai vu leur tête sur des avis de recherche qui venaient de l'Oklahoma. Si leur présence est souhaitée là-bas, c'est sûr qu'elle n'est pas souhaitée ici. Excusez-moi, les gars, je vais aller régler ça. Salut, petit gars. Bienvenue au paradis. Merci, grand-père. Vous avez vu ce panneau? Pas d'armes dans cette ville. Vous les déposez au bureau du marshal. Envoyez le marshal discuter avec nous, on lui expliquera quelques petits trucs. T'as qu'à lui expliquer ça tout de suite, fiston. Hein, c'est quoi cet insigne? Je n'en ai pas la moindre idée, c'est pour faire joli. Mettez ça aux ordures, Pépé. On pourrait bien vous prendre pour le marshal. Me prendre pour le marshal? C'est moi le marshal. George Higgins, à votre service, messieurs. Vous? Vous êtes marshal? Taisez-vous, espèce de chacal, ou bien je vous retire vos beaux ceinturons et je vous tanne la peau avec. J'ai déjà tanné le cuir à de plus rebelles que vous lorsque vos papas n'étaient qu'en culotte courte. Ah, oui? Et vous nous dites qui? Les frères Hooker, pour ne citer qu'eux. Ce fichu Kid Hooker était capable de vider son arme avant que vous ayez le temps de dégainer. Kid Hooker? Des dents, ça remonte à loin, grand-père. Oui, c'était bien avant que tu viennes au monde. La gâchette la plus rapide à l'ouest du Mississippi. Lui et moi, on s'est tiré dessus. Juste ici, dans cette rue, il y a 40 ans. Le Kid tire 3 condamnations de 99 ans chacune à la prison territoriale de Yuma. À l'époque, vous deviez être un sacré dur à cuire, Pépé. Et je le suis toujours, et je pourrais vous coffrer pour 5 ou 6 ans, si jamais vous ne filiez pas droit. Maintenant, donnez-moi vos armes. Je les ferai huiler et nettoyer avant que vous ne quittiez gentiment la ville. On reste tranquille, grand-père. Vous avez encore la forme. Ne faites rien de fâcheux, hein? Allez, barre-toi. Avant qu'on ne commence à te prendre au sérieux... Ça suffit, Tintin, arrête! Alors c'est ça, hein? Il vous faut des renforts pour faire appliquer vos lois, Marshall Higgins. Je ne fais pas les lois, fiston, mais je les fais respecter. Ne jouez plus à ça quand votre armée privée n'est pas dans le coin, parce que vous pourriez le regretter. Vous deux, je vous avertis, pas d'embrouille. Tant que vous serez dans cette ville, vous ferez tout ce que le marshal Higgins vous dit. Du renfort? Un de plus? Et permanent, messieurs. Je suis le bras droit du marshal. Ça ira, lieutenant. On va se charger de ces têtes de pioche. C'est très gentil, Herb. Mais je peux coffrer ces olibrius tout seul. Bien sûr, marshal. Je le sais. Ah, ce garçon est mon adjoint, Herb Tyson. Je vous présente Rusty Ratintin et le lieutenant Masters. Enchanté. Marshall, je vais mettre ces deux-là derrière les verrous. Ça va les calmer. Bonne idée, Tyson. Allez-y. Allez, en route. Tiens, gamin, tu me garderas ces revolvers. Fais très attention, ils sont chargés. Venez, lieutenant, je vous conduis au meilleur hôtel de la ville. Allez, dans la cellule, vous deux. Quoi? T'en fais pas un peu trop, Abe? Je ne fais jamais les choses à moitié. Vos ceinturons. «
Je devrais jeter les clés après votre conduite ridicule. Mettons les choses au point. De quel côté es-tu, Abe? Du vôtre, vous le savez. Mais vous auriez pu tout faire rater en brûlant les étapes. Vous deviez attendre que je vous prévienne. Tu devais préparer le terrain. Mais cet insigne a l'air de t'être monté à la tête. Vous serez bientôt plus riche que vous ne le pensez, croyez-moi. Mais je ne suis que l'adjoint du Marshal. Je ne dois rien laisser voir. Voilà. À votre santé, les gars. Et au nouveau Marshal, qui est moi. Ainsi qu'à ses nouveaux adjoints. C'est nous, hein? Ouais, c'est vous. Oh, j'ai failli oublier. On vous a apporté les derniers journaux de Mesa Grande. Ça, c'est très gentil de ta part, gamin. Elle la tienne aussi, Ratatin. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de nouvelles de la grande ville. Dès qu'on aura terminé de ranger nos affaires, on ira prendre contact avec les entrepreneurs, Rusty. À vos ordres. Tonnerre de sort, regardez. Qu'y a-t-il? Là. Kid Hooker Freed. Un bandit armé octogénaire est libéré sur parole. Ça vous embête? Ça, oui, au point que j'appellerais bien la milice. Le dernier des frères Hooker est dans la nature. Les frères Hooker? Ces bandits que vous avez arrêtés il y a 40 ans? Ah, dehors, dans la grande rue. Cet idiot de journaliste aurait pu annoncer ça en première page. Le bon vieux temps des anciens pionniers a ressurgi aujourd'hui à la prison territoriale de Yuma, quand Thaddeus Kid Hooker est parti en clignant des yeux sous le soleil après 40 années passées derrière les barreaux. Hooker semblait le plus heureux de la Terre. Il avait été emprisonné après 3 condamnations de 99 ans chacune, soit un total de 297 ans. Waouh ! Hooker ne ressent pas le moindre repentir et en montant à bord d'un train vers l'Est, il a juré vengeance contre le juge qu'il avait envoyé en prison voilà 40 ans. Mais il semble évident que Hooker ne parviendra pas à ses fins étant donné que le temps a sans aucun doute fait son œuvre à sa place. Le représentant de la loi dans l'affaire Hooker ne doit plus être en vie. Le juge Hawkins, c'est ainsi qu'il s'appelait... Le juge Hawkins? C'était moi, George Higgins. Ils n'ont jamais su écrire correctement mon nom. Dites, Kid Hooker veut vous tuer? Oui. C'est fou, on lâche le pire tueur de tout l'ouest du Mississippi. Ils font plus les balles comme autrefois. Elles ne rentrent pas dans ce fichu revolver. Elles sont parfaites, ces balles-là. Sauf qu'un vieil homme comme vous ne devrait pas jouer avec un revolver. Fiston, tu vas partir vite fait au cimetière. Je suis navré, monsieur. Je craignais que vous ne vous blessiez avec ce truc. Je vois que tu ignores avec qui tu fais le voyage. C'est vrai que je ne vous connais pas, monsieur. Je t'ai connu dans les parages comme Kid Hooker. Oh, c'est un plaisir de vous connaître. Moi, je m'appelle Hall Trainer. Ouais, je suppose que les choses ont changé depuis qu'ils ont balancé dans le ravin les Hooker Boys. Les Hooker Boys? Les frères Hooker? Ouais, petit. Un jeune crétin qui s'appelait George Higgins s'était pointé et avait gâché le meilleur hold-up de ma vie. M'a envoyé derrière les verrous à Yuma pendant 40 ans, où j'ai attendu l'occasion de faire la peau à ce fichu blanc-bec. Ça me paraît drôlement long pour garder une vieille rancune. Oui, et je le haïrais deux fois plus longtemps s'il le fallait. Je vais le transformer en passoire comme le lapin que je vois par la fenêtre. Au revoir, messieurs. Un de ces jours. Oui, merci pour l'hospitalité, Abe. C'était un plaisir. Tenez-vous tranquille en attendant la suite. D'accord. Marshal, je peux vous parler une minute? Bien sûr, lieutenant. De quoi s'agit-il? Ces cinglés de la gâchette, vous les laissez partir? Oui, mais sans leur revolver. Le Marshal Higgins est d'accord. Il dit qu'il veut garder de la place pour Hooker au cas où il rôderait par là. Oui, j'avoue que cette histoire m'étonne. C'est curieux qu'il ait été libéré sur parole sans que l'on ait d'abord prévenu Higgins. Ça m'étonne aussi. Ça mériterait une petite enquête, non? Oui, c'est ce que je pense. Je vais voir ça. Mais rassurez-vous pour le Marshal, je garde l'œil sur lui. C'est ça le problème, c'est qu'il croit avoir encore 20 ans. Voyons, lieutenant. Vous et moi, nous savons que si le vieux père Higgins est Marshal ici, c'est parce que les gens du coin ont un petit faible pour lui, tous ces vieux colons qui sont venus habiter dans la région. Mais quand les choses se corsent un peu trop, c'est moi le Marshal dans cette ville. D'accord, je comprends. Merci de m'avoir rassuré. C'est tout naturel, lieutenant. À un de ces jours. C'est ça, on va se revoir. Oh, je t'aurai, Kid. C'est lui, Kid Hooker? Hein?
Rusty, qu'est-ce qui vous prend à toi et à ton chien de venir me faire peur comme ça, hein? Désolé, excusez-nous, Marshall. Je vous assure que je ne voulais pas vous faire peur. On a vu que vous étiez au boulot, on ne voulait pas vous déranger. Oui, c'est dangereux de faire ça à un homme qui a l'esprit occupé. J'aurais pu tirer sur toi. Excusez-nous, Marshall Higgins. Est-ce que c'est Kid Hooker? Hein? Oui, c'est bien lui, le meilleur tireur à l'ouest de Memphis. En dehors de moi, c'est évident. Vous croyez qu'il va venir ici? J'en mettrai ma main au feu. Ah, après avoir été si longtemps en prison, peut-être qu'il ne voudra plus jamais se battre. Jamais un puma ne se nourrira de feuilles, gamin. Un pli qui vient du bureau du télégraphiste. Oui? C'est pour vous, Marshall. Ah, merci, Abe. Un télégramme pour moi? C'est grave, Marshall Higgins? Ben, regarde ça toi-même, gamin. Kid Hooker en personne arrive par le train de 12 heures. Il vient me régler mon compte. Le train de 12 heures aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui. Viens là, toi. Oui, monsieur. On va bien arriver en ville dans 5 minutes, hein? Oui, la gare est à 2 kilomètres après la prochaine boucle. Oui, tu vas me faire descendre ici. Je ferai le reste du chemin à pied. Tiens-moi le signal, fiston. Attendez une minute, monsieur Hooker. Vous devez descendre à la gare comme tous les autres passagers. J'ai l'impression que tu dois avoir les oreilles bouchées. Je t'ai dit que je descendais ici. Entendu, entendu, monsieur Hooker. Mais vous rengainez ce truc-là. C'est ma plus belle casquette. Je vois que tu as compris cette fois. Dépêche-toi de tirer le signal. Tout de suite. Vas-y, envoie ma valise, fiston. Et voilà. Tiens, petit. Lève ton verre à ma santé. C'est gentil, monsieur Hooker, mais s'il vous plaît, la prochaine fois, voyagez en diligence. Pousse-toi, fiston, laisse-le descendre. Oh non, en voilà encore un. N'essaie pas de le protéger, je sais qu'il est là, autant en finir tout de suite. Oh, pitié, monsieur, c'est ma plus belle casquette. Ah, tais-toi donc. J'ai toujours su que tu n'étais qu'un froussard au cœur, mais te servir de cette poule mouillée comme rempart, c'est indigne. Oh, attendez, ce monsieur est descendu avant l'arrêt à plus d'un kilomètre. Oh, le chacal, ça ne m'étonne pas de lui. Il veut me descendre par surprise. Ah, c'est bien ce serpent. Oui, c'était bien lui. Il a trouvé ma casquette dans le wagon. C'était bien lui. Entendu, fiston. Mais j'espère que c'est pas des mensonges. Ou je te troue la peau la prochaine fois que tu viens ici. Oh, ça n'a aucun risque. Je ne vais plus refaire cette ligne-là. Je croyais vous avoir dit de rester en dehors de ça, lieutenant. Ce n'est pas au cœur qui me préoccupe, Marshall. J'ai pris quelques renseignements sur votre adjoint. Abe? Et vous avez découvert que c'est lui qui a fait sortir Hooker de prison, c'est ça? Quoi, vous le saviez déjà? J'avais mené mon enquête. J'ai passé toute une partie de ma vie à faire respecter la loi. La vraie, Marshall, j'avoue que je vous avais sous-estimé. Oui, ainsi que Abe. Il s'imagine que je ne suis qu'un vieux fou qu'on garde par pitié. Il croit que si Hooker réussit à me descendre, il va sauter dans mes bottes. Vous avez bien fait le point sur la situation. Et comment vous allez y remédier? Je vais me charger du jeune chou quand j'en aurai fini avec le vieux bouc.
Tu dois affronter Kid Hooker sans plus attendre. Hé, Rin-Tin-Tin, ce doit être ce type, Kid Hooker. C'est plus qu'un vieil homme maintenant. Tu as vu ce serpent à sonnette? C'est un miracle que tu sois en vie pour me le dire. Je trouve Kid Hooker bien vieux pour un duel au revolver. Oh, plus les scorpions vieillissent et plus leur poison est dangereux. Vous n'avez qu'à lui prendre son arme, comme vous avez fait avec les deux autres. Tu sais, gamin, Kid est une espèce différente. Cette paire de genoux sont de vrais agneaux. Eh ben, gamin, au cas où Kid gagnerait, je suis content de vous avoir connu, toi et Rin-Tin-Tin. Y a pas d'autre façon de régler ça? Pour tout avouer, fiston, je le voudrais bien. J'ai horreur des coups de feu et des tueries, autant que toi, tu sais. Peut-être que Rip peut vous aider? Non, non, gamin. Même s'il le pouvait, ça ne servira à rien, qu'à repousser le problème. Kid Hooker veut me voir mort, et il va tout faire pour réussir. Mais il ne m'aura pas. George Higgins dégaine toujours comme l'éclair. Tu te caches près de la banque. Et toi, Stubb, tu vas aller de l'autre côté. D'accord. Bonne chance, Marshall Higgins. Merci. Pas un geste. Je te confisque ton arme. C'est où Jimmy, toi? Je ne le vois nulle part. Tant mieux, c'est qu'il est bien caché. Je me poste près de la prison. Hé, hey, tu sais où est Rip, toi? Higgins? Kid? Je dois dire que tu as changé, mon petit gars. J'ignorais que j'allais tirer sur un vieil homme. T'as pas l'air très flambant neuf, toi non plus, figure-toi. Tu vas me donner ton revolver bien gentiment. On a assez discuté le bout de gras. Allez, dégaine, Marshall. Commence, Kid. C'est toi qui as voulu ce duel. À mon tour, maintenant. La fois d'avant, c'était pour t'avertir. Cette fois, ça va passer plus près de toi. Si j'avais voulu, je t'aurais descendu. Allez, donne ton arme. Là, je t'ai ratatiné à cervelle. Ah. Danse, Higgins. Je déteste l'air que tu joues. Adieu, Kid. Oh! J'ai assez fait joujou avec toi, Marshall. Fais tes prières. Cette fois, c'est adieu pour toujours. Arrête de faire des trous dans ma jolie ville, Kid.
Si je veux qu'elle tienne encore debout, je dois en finir avec toi. Youhou, ratata ! Cette fois, la partie est terminée. Tu as eu ta chance, Higgins. Adieu, ma vieille Rosie. Et adieu à George Higgins aussi. Tu m'as eu, kid. On va en rester là, Marshall. J'ai plus de balles. Debout. Allez, monsieur l'adjoint, on va discuter avec ton patron. C'est fait, Marshall. J'ai eu des contrats avec plusieurs entrepreneurs. Je suis heureux que l'armée fasse du bon travail dans une ville saine. Oui, je crois que Abe et ses acolytes auront tout le temps pour discuter de la loi à la prison de Yuma. Ils ne vont pas rigoler. Je connais bien cet endroit. Dites, Marshall Higgins, vous allez prendre qui comme bras droit? Oh, je n'en sais encore trop rien. Je ne voudrais pas être de nouveau roulé par un blanc-bec à peine débarqué en ville. Il faut un type bien pour me seconder. Quand j'y songe, il se pourrait bien que je propose à Kid de me servir d'adjoint. Moi, Kid Hooker, travailler avec un vieux chacal rongé au mie? Tu pourras tirer quelques leçons, pauvre vieux putois. Tu as perdu la tête ou quoi, espèce de hyène pelée? Moi, Kid, apprendre quelque chose de toi? Rien que pour ça, tu... Je veux être ton adjoint. Je vais t'écraser, te devancer, et encore mieux, te tirer dessus tous les jours. Me devancer avec quoi? Tu ne fais pas la différence entre un âne et un cheval, et au tir, tu rentres un bœuf avec une poêle à frire. Hey. Oh.